qui n'est pas la Guinée. Peut-être même qui n'est pas Guinée. Je suis parmi les trois familles les plus nobles du Montréal. Je n'accepterai pas que les fils du Montréal, les fils de la Guinée, les fils de la Basse-Côte soient opposés. Mais tôt, c'est tôt. Il y a un adage Jésus qui dit, quand tu vis tout seul, un homme jusqu'au mur, il te fait face. Maintenant, c'est le moment de faire face. On a tout vu, on a tout accepté. Allô? Allah dit c'est nous. C'est pourquoi il a accepté le vote de 2010. Il a accepté le vote de 2015. Moi, je n'accepterai pas le vote de jamais de ma vie. Lui a dit, je n'accepterai pas. Est-ce que vous l'avez accepté? Alors, à partir de maintenant, vous sortez d'ici. La résistance commence. On ne pauvre personne. N'est-ce que toujours notre victoire, il nous trouvera devant sa faute. Là, quand la Robert est pour le souci de mon enfant. À la Mounda, à la Foyer la paix. Courage, soldat. Courage. Bon, foyer la paix. Courage. Tu es la paix. C'est lui, la mascotte. Voilà, vous avez un grand pied, la femme. Vous avez un papa qui est. Qui est un roi, par exemple, l'éternel. Vous comptez à la paix, c'est un coup. Alors, comment t'as cru? Nous allons prendre aussi nos destinées en main. Tout le monde a dit qu'il y a un peu de temps. Militant de la 17e heure.
Il supportait les militants du RPC. Il les mettait en prison. Mais il n'a pas fait de foi contre eux. Ministre Bouyou Akoldebe, à la décision, c'est nul et non avenu. Vous me suivez, vous m'accompagnez à travers toute la campagne, je vous reste reconnaissant. Je prie Dieu de me donner la force nécessaire pour vraiment être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée. Je vous remercie. Je commencerai mon propos par féliciter les militants et responsables de l'FDG. De toutes les circonscriptions, de toutes les préfectures qui ont fait de cette élection locale une grande victoire de l'FDG. Il ne faut pas oublier que nous avons gagné partout. Les citoyens guinéens, nos compatriotes, ont exprimé leur confiance à notre parti. Dans des zones réputées comme étant des fiefs du parti au pouvoir, nous avons fait des performances remarquables. Nous devons nous féliciter et nous réjouir
Malgré tout ce qu'on a subi, ce qu'on a sauvé jusqu'à maintenant n'est point négligeable. Ils ont volé dans les urnes, de manière éhontée. Ils ont volé dans les centralisations. Mais avant, ils ont volé dans le transport. Vous vous souviendrez qu'on a présenté ici des bulletins de vote précochés que la CENI avait distribués parallèlement au RPG. Et ces bulletins précochés ont été utilisés pour faire voter pour le RPG. Mais malgré tout, nous avons largement gagné cette élection locale. Il faut s'en féliciter. Dans les urnes, après tous les vols qui ont eu lieu là, dont on n'a pas suffisamment parlé, parce qu'il y a eu beaucoup de vols dans les bureaux de vote ou dans le transport. Mais les résultats sortis des urnes nous ont donné la victoire dans tout Conakry et dans toute la Basse-Guinée. Nous l'avons démontré, puisque nous avions pratiquement tous les PV de tous les bureaux de vote dans tous les quartiers et dans toutes les communes. Nous avons dénoncé cette fraude qui a été organisée dans les centralisations avec la complicité des magistrats qui présidaient ces commissions administratives de centralisation. Nous sommes sortis, nous avons marché pour exiger la publication de vrais résultats et non pas voulu. Avec les faux résultats, nous avons gagné à Ratoma, à Dixine et à Matoto. Le pouvoir non satisfait de toutes ces fraudes qui sont restées impunies dans les bureaux de vote et dans les centralisations décide de nous enlever notre victoire à Matoto. Poto, poto, korakamas. Il faut qu'à partir de maintenant, vous vous mobilisez pour défendre notre victoire. On a trop accepté, ici, au nom de la paix, au nom de l'unité, on a accepté la fraude, on a accepté le vol, on a accepté la violation des accords, on a accepté la violation de la loi fondamentale, on a accepté la violation du code électoral, du code des collectivités. Pour Matoto, on n'acceptera pas. Mobilisez-vous à partir d'ici et dès maintenant. Mobilisez-vous pour dire non à tous les moyens. On ne peut pas accepter ce vol. Ils ont volé dans l'organisation de la mise en place des exécutifs partout. Ils ne décident de procéder à la mise en place des exécutifs lorsqu'ils ont retourné les unis des autres parce qu'ils n'en avaient jamais suffisamment. Parce que le peuple de Guinée a décidé de sanctionner M. Alpha Condé à sa politique. Il a refusé de voter pour le RPG. Ils volent dans les urnes, ils volent dans les centralisations, ils volent dans la mise en place des exécutifs. Cette fois-ci, pour Matoto, je vous demande, mes chers frères, mes chers sœurs, n'acceptons pas, quoi qu'il arrive, mobilisons-nous, mais disons non au vote. L'élection au poste de maire de M. Kalemoudi Yassane a eu lieu dans la transparence, avec la présence de toute la presse, qui n'a pas manqué d'ailleurs d'expliquer à l'opinion dans certaines circonstances. Ces élections, ce scrutin a eu lieu. Tout a été filmé, les vidéos existent. Toutes
toutes les conditions de transparence, toutes les conditions légalement exigées étaient remplies. Il a été élu, ils ont demandé de recommencer le décompte, on a recommencé. Il a gagné devant le monde entier. J'ai vu que TV7 a fait une publication. Jeune Afrique a fait une publication. Toute la presse nationale a fait des commentaires pour mettre en évidence la victoire sans appel de Kalemou Diansané dans la plus grande rivalité. Si nous acceptons ça, nous sacrifions la démocratie de manière définitive. On n'acceptera pas. À partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui est agressé et qui se défend. Et défendez-nous, défendez notre victoire. Il l'a dit tout à l'heure. Un membre du Présidium, installé par le RTG, figurant sur sa liste de Matodo, décide, lorsqu'on a fait le recompte, le décompte, on a récolté une fois, se rendant compte que son parti a perdu, décide de déchirer. Mais il l'a fait trop tard. Les camarades étaient là, ils auraient pu faire plus tôt. C'était terminé. Le décompte a été fait devant tout le monde et tout le monde a vu. Et donc, je vous demande à partir de cet instant de vous mobiliser pour défendre notre victoire. Chaque comité de bas, chaque fédération, chaque section, vous devez tous vous organiser pour refuser. Et il faut que M. Alpha Conde et les extrémistes qui sont autour de lui comprennent qu'on n'acceptera pas. Au sortir d'ici, qu'ils comprennent qu'on n'est pas content, qu'on est frustré et qu'on n'acceptera pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous serons toujours avec vous. Merci bien. Mantém-me, vou valer-te.